les décathloniens, on n'est pas connu si on ne fait pas un résultat au JO. Notre sport n'est pas assez médiatisé pour briller ailleurs qu'aux Jeux Olympiques. Ça nous fait donc une seule chance tous les 4 ans pour réussir. On a beau répéter 100 000 fois chaque épreuve, c'est une seule répétition qui comptera, et ce sera aux Jeux Olympiques. Bonjour à tous, ici Kevin Mayer. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à terminer le décathlon des JO de Rio. On est le 26 février 2016 et j'ai décidé de faire un court-métrage sur ma préparation olympique. Pour l'instant, ma préparation est au top, puisque je n'ai eu aucune blessure depuis septembre. Donc j'ai pu me préparer comme il faut pour cette saison hivernale. Avec les coachs, on a décidé de faire la première grosse compétition ce week-end. À Clermont-Ferrand, c'est les championnats de France indoor et je m'alignerai sur 3 épreuves. J'ai fait des choses à l'entraînement que je n'avais encore jamais faites et il serait vraiment temps que je monte de quoi je suis capable. Voilà, les affaires sont prêtes, je pars dans une heure, rendez-vous demain sur la piste. Plutôt que de fermer le couloir, mais enfin bon, il s'en sort bien. Et Kevin Mayer, c'est un garçon aussi qui est en forme, c'est aussi un garçon qu'on espère voir du côté de Rio. Et qui vient de battre son record au poids là à l'instant. Il a battu son record au poids, mais il a été aussi très performant sur 60 mètres. Et ce qu'on vous propose, c'est de voir cette course de 60 mètres, Kevin Mayer. Et sur 60, oui. Il est au couloir numéro 7 avec... Non. Oui, couloir numéro 5. Couloir numéro 5. Non, il est bien au 7. Il est bien au 7, c'est bien ce qu'il a déjà vu. Ouais, et, de toute façon, et regardez avec quelle facilité il vient régler tout le monde. Mais au-delà de la victoire dans cette série des 60 mètres de l'heptathlon, parce que c'est un heptathlon en salle, il a battu son record personnel en 6,95. Record personnel sur le 60 mètres, record personnel au poids. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une meilleure progresse et s'il est capable de faire déjà dans 2 épreuves, probablement dans d'autres épreuves aussi. Et en vue de cet été des Jeux Olympiques, déjà c'est exceptionnel. Là il était limite de faire un faux départ d'ailleurs. Mais enfin bon, en vue des Jeux, c'est exceptionnel parce que sur Décathlon, c'est un garçon qui fait vraiment partie des tout meilleurs. Avec le maillot bleu, Kevin Mayer complètement à l'extérieur, maillot orange. Pas de faux départ, Kevin Mayer à l'extérieur et c'est Brouters qui est le mieux parti, couloir numéro 3, Damien Brouters qui va aller chercher la victoire dans cette série, 7,81. Et regardez aussi le chrono de voilà exactement mètres, couloir. Et pour prendre ses marques et 4,40 donc à son premier essai. Le ralenti de ce 60 mètres haies, de cette deuxième série du 60 mètres haies avec couloir numéro 3, maillot bleu. Damien Brouters qui accélère dès la première haie, il la touche légèrement derrière une. Il passe plus facilement. Kevin Mayer, lui, au couloir numéro 1. Grosse chute sur les haies. Suite à ça, grosse talonnade à la jambe droite, ça fait 5 jours que je suis tombé et je ne peux toujours pas poser le talon. Ça annonce, je pense, mon forfait pour les championnats du monde à Portland. Ça commence à faire beaucoup après l'abandon à Pékin, là l'abandon pour Portland. Ça faisait 1 an et demi que j'attendais cette compétition. Il y avait de la frustration et cette frustration, j'ai pu la sortir qu'un bref instant. Alors oui, au final, c'est une grosse déception. Mais je peux pas nier que j'ai passé un moment magique avec mes proches. Le fait de les surprendre en battant tous ces records,
vous met dans un état d'euphorie que je ne vis que quand je pratique l'athlétisme. Alors on retourne en musculation, on retourne chez le kiné, on retourne au bain froid. Même si c'est pas ce qu'on aime, la passion du décathlon, c'est de courir, de sauter et de lancer. Pas forcément passer son temps en musculation. Mais si ça nous permet de revivre ces moments, on fera toujours ce qu'il faut pour retourner le plus vite possible sur la piste. Sûr que tu restes avec quand même, Simon. Ouais. Les gars, finalement, là, c'est. On va faire qui roule, quoi. Je te jure. Les gars, arrêtez de déconcentrer mon caméraman. Reprendre l'entraînement normalement, après la blessure, surtout quand les beaux jours arrivent, et que tu commences à rejoindre le groupe, à refaire des séances avec eux, c'est le bonheur. Fruits and herrings, dykes and fairies, tell me where it's empty. Tax dollars, feed the poor. Jour après jour, on augmente l'intensité des séances et on se rend compte que le talon va mieux, qu'au final, la douleur n'est plus qu'un souvenir. C'est enfin le jour de remettre les pointes. Un mois après la chute, le coach décide de me faire recourir sur la piste. Et quoi de mieux qu'une séance tactique pour reprendre ?
Et voilà, ce court-métrage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On a arrêté de tourner à peu près le 5 mai, suite à la demande de Canal+, de faire un intérieur sport sur ma qualification pour les JO de Rio, qui s'appelle le Dicara. Donc si vous voulez voir comment j'en ai bavé pour me qualifier, je vous conseille de le regarder sur le site de Canal+. Aujourd'hui, je vous le cache pas, on est le 29 juillet. Je me suis très bien entraîné. Pour ceux qui ont vu mon intérieur sport, je n'ai plus la douleur au genou, donc mon physique est, comment dire, dans un état presque parfait. Donc hâte d'en découdre sur la piste. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tout mon entourage qui fait un travail exceptionnel pour mettre dans des conditions que je n'imaginais pas possibles. J'essaierai de représenter au mieux tous ceux qui me soutiennent. Merci encore et à bientôt.